C'est la première fois que je vole, bon, sauf à 10 ans des pétards à mèche, mais bon, ça compte pas ça, si? Ouais, c'est ça, raconte-raclure. Bonjour madame, je suis un peu perdu, je cherche une épicerie dans le quartier. Ah, alors, vous êtes en voiture ou vous êtes à pied? Là, tout de suite, carrément à pied. Non, parce qu'alors, il y en a une qui est à 150 mètres, allez, 200 mètres à tout casser, et une autre qui est à exactement 3 km environ. Bah, autant aller la plus propre. Attendez, je vous ai dit 200 mètres. Oui. Non, mais n'importe quoi, moi, là. Hein. Pardon, j'ai pas suivi. 300 mètres, l'épicerie de la place du marché. Et c'est pour des achats en particulier? Non, parce que l'autre, c'est un supermarché, alors du coup, il y a plus de choix. Alors, c'est facile, c'est la deuxième à droite et après, c'est à 50 mètres. Ah oui, en plus, c'est indiqué place du marché. Merci beaucoup. Et voilà, regardez. Ah, vous voyez où tourne la voiture grise, là, la Renault, là? Ah non, c'est une Ford, ça, non? Eh ben voilà, là, c'est cette rue-là. Ok, voilà. En plus, c'est indiqué la deuxième à droite, c'est bien ça. Voilà, là. Merci et bonne journée. Voilà, c'est juste là. Vous allez voir, c'est facile à trouver. Moi, c'est là que je fais mon appoint. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est fond de course, là, quand même, je préfère aller au supermarché, bien entendu. En tout cas, ça fait plaisir de rencontrer des gens aussi disponibles et sympathiques. Oh putain, la connerie, il a fallu que je l'ouvre. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Si? Non, je vous jure. C'est pas beau de jurer, surtout quand on vient de dire j'ai dit une connerie. Oui, voilà, j'ai dit ça tout à fait exactement. Faut que j'achète des piles. Ou alors je vous donne l'argent et vous me les rapportez. Il faudrait qu'on se revoie plus tard, alors. Ben non, non. Dis donc, petit impatient. Vous seriez pas en train d'avoir le béguin pour moi? Hein? C'est mon gros bébé qui a besoin qu'on l'emmène faire ses courses, c'est ça? Tiens! Salaud! Dites, vous m'en voudriez si je vous abonnais sévère? Tu sais que c'est le destin qui m'a mis sur ta route pour embellir tes dernières années, hein? Tiens, ce soir, je vais te préparer un bon petit dîner et après, on va jouer au gros bébé de passage, hein? C'est mon vilain bébé à moi, ça! Il essayait de lui faire manger des pois chiches secs. Elle voulait pas. Après, il est parti sans payer. Ouais, mais c'était pour échapper à la folle avec la pastèque, là. Je lui ai simplement indiqué où il pouvait acheter une pastèque. Et après, il me l'a mis sur la tête. Oh non, mais ça m'apprendra à rendre service.